On parle de la fin de ces masterclass dans le Haut-Togo sur le professionnalisme dans les métiers de l'audiovisuel, initié par l'expert et producteur réalisateur Hernan Dogo, The Magic El Kana. Les travaux se sont achevés à Okonja après l'étape de Franceville et celle de Moanda avec un seul objectif, professionnaliser les jeunes passionnés par les nouvelles technologies. Jean Romano Lubaluba, Fabrice Lemumba. L'objectif de cette masterclass gratuite offerte à la jeunesse d'Okonja par la team MGLE et son promoteur Marcel Germain Lumbagoy Onkamwa était de plus simple, favoriser l'accès à un contenu audiovisuel de qualité. Un sentiment de satisfaction d'avoir contribué un tant soit peu à ce que les jeunes d'Okonja puissent avoir une formation. Une formation qui peut un jour peut-être les amener à devenir comme El Kana. Animé par le réalisateur, promoteur et entrepreneur Hernan Dogo, sous le thème « L'audiovisuel, de l'amateurisme au professionnalisme », l'événement qui a été suivi d'un dialogue entre les parties a suscité un vif intérêt de la part des jeunes apprenants ou non, lesquels ont salué cette initiative avec gratitude. L'échange pour moi était bien parce que bon, ça a permis pour moi en fait, de comprendre beaucoup de choses sur l'audiovisuel que je ne comprenais pas. Pour une meilleure prise en compte dans les métiers de l'audiovisuel, la formation reste la clé de voûte. En effet, le constat sur le terrain a révélé que plusieurs jeunes manquent de professionnalisme. Le secteur audiovisuel, c'est des métiers d'avenir. Et si j'ai pu réussir dans ce secteur d'activité, c'est que beaucoup aussi de jeunes, mes petits frères, peuvent réussir dans ce secteur d'activité. Donc je voudrais déjà tirer un chapeau à la population, singulièrement à la jeunesse d'Okonja, d'être venu assister nombreux à cette masterclass. Au regard de l'engouement des questions qui m'ont été posées à la fin, je peux le dire ici avec certitude que les jeunes ont écouté attentivement et ce que j'ai dit cet après-midi. Cette rencontre a été pour les participants le moyen de découvrir le concept visant à redynamiser leur savoir-faire et par ricochet impacter leur projet d'avenir. Je suis vraiment très heureux d'avoir vu mon confrère, mon oncle au niveau d'Okonja. Parce que vraiment, on avait vraiment besoin de cela ici. Parce qu'au niveau d'Okonja, on a manque de formation. Après les communes d'Okonja, Moanda et Franceville, cette masterclass initiée par Hernan Dogo, The Magic El Kana, est appelée à toucher les autres localités du Gabon dans les mois à venir.